Je veux qu'ils aient la sensation qu'ils vont vraiment, vraiment mourir. C'est ça que je veux. D'accord. Oui. Je veux entendre les cris de terreur. Ouais. C'est pour ça qu'ils paient. Je les ai, Monsieur Ken. Pourquoi tant de solennité? Jeanne Travis, de quoi avions-nous convenu? Père? Beaucoup mieux, Monty. Beaucoup mieux. Maintenant, qu'est-ce que tu m'apportes, là? Les jerrycans que vous m'aviez demandé. Que je t'avais demandé de déposer tout à côté des vannes. Là-bas. Pose-les là-bas. Je m'excuse, père. Tout va bien. Approche. On dirait que tu as perdu quelque chose. Viens là. C'est quoi ça? Regarde. Tiens, c'est pour toi. Merci. Voudrais-tu doubler ton argent? Aucune perte. Que du gain. Bien. Donne-moi la pièce. Oui. Donne ta main. La droite. Voyons voir. Voilà. Ouvre. Mais ta main est vide. Oui. Dis-moi, quelle leçon tu viens d'en tirer? Tu viens simplement d'apprendre que rien dans cette vie n'est gratuit. Et que si quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Le secret, jeune Travis, c'est de savoir où regarder. Je veux savoir. Tu veux savoir quoi? Je veux apprendre. Je veux savoir faire les boules de feu, la pièce de monnaie comme vous. Apprenez-moi. L'art du détournement, c'est être capable d'attirer l'attention du spectateur dans une direction, de manière à la détourner de l'autre direction. Je peux essayer? Oui. Observe le feu. La flamme te dira quand relâcher. Ow! Supporte la douleur. Pour apprendre la magie authentique, il faut toujours supporter la douleur. Tu connais ma devise? Magie égale sacrifice. Je vais essayer encore. D'accord. Va me chercher ma panoplie dans le chapiteau.
Mademoiselle. Mademoiselle. Je sais combien ça a été pénible pour vous, mais il nous faut votre déposition. Pourquoi ? Nous avons des questions. Quelques points à vérifier. D'accord. Ça a commencé par des invitations. Par texto. Plein de promesses bidons. Je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. 1300 billets cash à prendre ou à laisser. Attendez, sans des Betty Grable. Vous imaginez, elle était en tête du box-office pendant 12 ans d'affilée. Ouais, c'est bien pour ça que je vous en donne 1300 billets cash à prendre ou à laisser. Au lieu de vous embrasser sur la bouche et de vous envoyer nourrir les poissons, je vais vous expliquer en deux mots comment marche le business. Betty Grable, elle a été une immense star en quelle année? Les années 30-40. Donc aujourd'hui, tous ses fans, ils sont quoi? Décédés. Ce qui veut dire que je vais avoir ces bibelots en boutique jusqu'à ma mort. Alors ce sera 1300 $ à prendre ou à laisser. Ces photos viennent de ma grand-mère. Vous n'avez qu'à les lui rendre. Livraison spéciale? C'est bien vous, monsieur McPhilly. Comment va le cœur? Si j'avais un cœur, il serait en pleine forme. Ouais, ça c'est de la pub. Dis-moi, Sammy, on t'a jamais dit qu'il y avait chez toi une ressemblance absolument frappante avec Sammy Davis Jr.? C'est époustouflant. À plus tard, le spécimen. Je suis un spécimen. Je suis Batman. Intéressant. Bon, d'accord. 1300 $. Vous êtes toujours là, vous? Oui, je suis toujours là. Donnez-moi l'argent. D'accord. Mais je crains que l'inflation n'ait fait baisser la somme initiale jusqu'à 1000 $. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Parce que il n'y a pas 20 secondes, vous avez dit 1300 $. Tic-tac. C'est bon, donnez-moi l'argent. Vous êtes dur en affaires. Vous êtes un monstre. Je suis un capitaliste. Avec une longueur d'avance. Vous êtes un con. Je suis Batman. Bonjour et bienvenue à tous. Mes chanceuses victimes. Vous êtes invités à participer à la résurrection, la renaissance du plus grand spectacle sur Terre. Que cette fête commence, mes chers petits cobayes. Roxy. Hey, Matt, comment tu vas? Ça va, merci. Jusque-là, j'ai pas encore eu de racaille à lancer sur orbite. T'es vachement fort ce soir. Ouais, ces mecs, c'est des cinglés. Ça va, ton frère? Ça va, il est à la maison avec la mimi. Ah ouais, je vois, ouais. Ouais. Allez, amuse-toi. Ouais, à tout à l'heure. Avec plaisir. Non mais tu m'as où comme ça? Tu vas où? Écoute-moi, tu fais quoi là? Non mais tu m'as où comme ça? Tu vas où? Écoute-moi, Greg. D'accord, bon, c'est mort entre nous si tu lâches pas ton téléphone, t'as compris? Cours toujours, tu m'échapperas pas. Non mais regarde-toi maintenant, gars. Maintenant, faut que je te pisse dessus. Oh, regarde-toi. Allez. $250,000?
Balthazar Kane. Quelqu'un se fout de moi. Un quart de million, oh, je peux le faire. Ouais, avec mon pote, Balthazar Kane. Ouais, monsieur, je suis partant, bien sûr. On ne savait pas dans quel enfer on allait s'embarquer. On pensait que pour une fois, la chance nous souriait. On est tous là pour ça? Salut, moi c'est Scott. Roxy. Oh, c'est l'heure des présentations. Moi, c'est Eddie England, du paradis du collector, mais vous les Jones, et vous aussi, appelez-moi Ed. Où est Eddie? Où les talons? Me dites pas que vous connaissez pas mon magasin? Au paradis du collecteur sur la 3ème et Main. Ouais, je connais cette boutique, elle est naze. Mec, la prochaine fois que tu viendras, t'auras droit à 3% de remise pour un achat de 100 dollars ou plus. C'est valable pour vous tous. Carrie, salut tout le monde. Jake. Et moi, c'est Greg. Salut à tous, moi c'est Tracy. Une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui serait intéressé? J'ai reçu une magnifique collection de photos vintage de Grebel, prise dans les années 30-40. De qui? Grebel. Une actrice, entre les années 30 et 40. Elle était aussi danseuse. Moi, je suis encore jeune, alors... Bref, salut, moi c'est Tracy. Donc on a tous reçu cette invitation flippante sous forme de texto. Ouais. Alors on a tous un lien en commun? Ne jamais dire jamais. Pourquoi tu demandes ça? Pour comprendre pourquoi on a tous gagné au loto, ma grande. Merde, c'est quoi ce délire? Pas sur moi, j'y vais pas, Kane, c'est ça? Kane! Tu montes pas là-dedans. J'adore. Le clown. Monsieur le clown. Détends-toi, bon. C'est du génie. Je sais pas. Moi, je monte, j'y vais. Monsieur Clown. C'est ouf, ce truc. Voilà, c'est parti. C'est trop dégueulasse. Arrête de râler. C'est un peu flippant, mais c'est assez chouette. C'est ça, l'aventure. Ouais, dans un sens. Oh, c'est pas vrai. Ce sont les affiches originales. Celle-là, je l'ai chez moi. Je te connais à peine, mais je suis sûr que t'as pas d'affiche originale. Quelqu'un qui a une affiche originale, il a une aura différente. Me dis pas à moi ce que j'ai. Dites, les gars, vous avez un planning avec votre invitation? Parce que moi, il y avait juste marqué l'heure et le lieu. Aucune idée. J'en sais pas plus que vous. Ouais, je suis sur le même bateau, malheureusement. Ouais. Bonne question, les uns. Bonne question, les autres. Bienvenue, mes amis, au bal de la soirée Renaissance du Circus Kane. Vous êtes ici, mes invités, à titre très très spécial. Et je n'ai pas compté les dépenses pour vous. Tout ce qu'il y a de mieux, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Cet oiseau de malheur revient à la vie. Une aventure épouvantable a été mise en scène rien que pour vous. Frissons et terreurs dans mon nouveau décor. Vous entrerez tous dans mon héritage, que vous soyez vivant ou que vous soyez mort. Critique de films, blogueur, collectionneur, actrice de films d'horreur, gamer, rocker ou simplement adolescent. Chacun de vous fait donc partie de cette communauté d'horreur. Parce que je vous ai tous choisis pour partager sans ménagement cette grande aventure de terreur. Alors passez le mot autant que vous pouvez. Car votre public, bientôt, n'entendra plus jamais aucun son sortir de votre bouche. Bonjour, mes chers petits cobayes. Ensemble, nous allons jouer. Ah, du grand Ken, du très, très grand Ken.
Attends, t'as déjà vu ces spectacles? Si, moi, j'ai déjà vu ces spectacles. Mais bien sûr, ma jolie, ce gars-là, c'est le roi du spectacle ambulant de l'horreur. Oh, me dites pas que vous n'avez jamais vu aucun de ces spectacles. Non? Jamais? Non. 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 Enfin, j'ai déjà entendu parler de lui par des réalisateurs de films d'horreur pour m'inspirer quand je travaille pour un rôle, pour un film de ce genre. Mais personnellement, j'ai jamais rien vu de lui. Oh, mais oui! Je savais bien que je t'avais déjà vu. T'es la fille qui est poursuivie dans Nuit de terreur. Ouais, je l'avoue. Ouais, c'était toi, je l'ai vu. J'ai fait un papier sur ce film. Le film est à chier, mais toi, ça peut aller. Oh. Non, 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 tu étais épatante, épatante, crois-moi. Croix de bois, croix de fer, tu étais épatante. Oh, je te vénère. En fait, il nous a sélectionnés sur notre base de fans. C'est du pur marketing viral. Il veut qu'on publie pour parler de lui. Qui parmi nous ici n'a pas une tonne de followers? Levez la main si c'est pas le cas. Moi, mon Instagram est plein à craquer. Vous voyez? Non, non, c'est vrai ce qu'il dit, parce que il nous a choisis pour notre gros réseau de fans d'horreur. Il nous utilise tous ici pour créer un buzz phénoménal sur son retour. Je connais le spectacle de Ken depuis des lustres. J'ai même sa fameuse bande dessinée. Le Circus Kane, oh, où la terreur vous attend à chaque tournant. J'attends. Dis-moi que tu l'as toujours et qu'elle est nickel. Non, tu vois ce qui s'est passé. En fait, j'étais sorti faire mes trucs et ma mère, elle a trouvé la BD et elle l'a vendue. Enfin, tu vois... Tu as laissé ta propre mère vendre ta super BD. Tu parlais pas de ma mère comme ça. Il y avait une chanson sur lui, je crois. Ce single des clowns tueurs brûlés à mort. Pour la peine. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'était au collège, je sais pas, ça m'avait aidé pour étudier. Hé, hey, attends une minute. Qu'est-ce que tu fais là, Einstein? C'est vrai, nous tous ici, on a, disons, une sorte de lien avec Kane. Mais toi, c'est quoi? Je vous remercie, monsieur Big Ed. En fait, la raison qui m'a amené ici, c'est que je suis pas un petit trouillard. Alors je sais que je vais gagner. Et puis aussi, j'ai besoin de cet argent parce que j'ai des dettes à régler. Qui n'a pas besoin de 250 000 dollars? Vous savez, moi, tout ce que je demande, c'est qu'ils signent mes affiches. Une fois signées, elles vaudront au minimum 100 fois plus cher que ce que je les ai payées. Pourquoi, tu prévois de le tuer? C'est pas moi le tueur. Le tueur, c'est Ken. Oh merde, il a tué quelqu'un? Sérieux? Ouais. Ouais, j'ai dû lire quelque part qu'il avait des petites embrouilles avec la justice. Mmh. Ouais, si on peut appeler ça des petites embrouilles, carboniser un mec, alors oui, il a eu des embrouilles avec la justice. C'est quoi cette histoire? De quoi vous parlez? Mince. C'est comme la chanson. Le brûleur fou! C'est donc lui? Ouais, vous connaissez tous la chanson, non? Allez! C'est la balade de Balthazar Kane qui a brûlé à mort parce qu'il a trop de haine. Il a massacré le pauvre Valentine, a brûlé en tôle pour payer son crime. René de ses cendres, il est devenu dingue. Il pense plus qu'à jouer avec ses cochons d'Inde. Courez les enfants quand il vient vous chercher. Jamais au grand jamais vous pourrez vous cacher. C'est le Circus Kane. C'était ça. C'était génial. Waouh. Tellement ça. C'était magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est là? Ouais. J'ai dormi longtemps? Je sais pas. J'ai dormi moi aussi. Comme tout le monde, je crois. Ils nous ont gazés. Ils nous ont quoi? Je pense qu'ils nous ont gazés. Arrête tes conneries. Avancez vers l'escalier. J'ai vu du gaz vert. Ouais, c'est ça. Arrête la drogue. Personne à des kilomètres à la ronde. Tout ça doit faire partie de l'expérience, non? Ken n'aurait pas pu trouver un meilleur endroit. C'est gigantesque! Cet endroit est génial! C'est flippant! Tu parles de la maison ou de la façon dont Big Ed te regarde? Ça valait totalement la peine d'être drogué.
ou gazé ou tout ce que ces clowns ont pu nous faire. Bienvenue à chacun d'entre vous dans le nouvellement amélioré Circus Ken. Entrez donc, si vous l'osez. Ah, oh, t'inquiète, je vais oser. Allons hanter cette maison. Je la sens pas, cette baraque. Allez, allez, allons-y. C'est parti. Vous êtes prêts? Le cirque va bientôt commencer. J'aurais jamais gagné d'argent aussi facilement. C'est quoi ce délire? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Bonne chance. Dedans se trouve votre destin. Un miroir sans teint, vous croyez? Non, il est trop ancien pour ça. C'était rien, les gars. C'était rien. Rien du tout. J'ai dû voir ce gag une centaine de fois. Hey, oh, la vache. Tu vas bien? Oui, ça va. Ah, je peux en avoir une? C'est pas pour toi, c'est un médoc. Problème cardiaque. C'est à force d'avoir trop pompé, peut-être? Je m'attendais pas à sursauter comme ça, c'est tout. Dans une maison hantée, t'en connais qui s'attendent pas à sursauter. Je suis venu ici pour affronter mes frayeurs. On y va? Passe devant. Ouais. Ouais. Après vous. La trouille de ma vie. Il a intérêt à faire bien mieux que ça ou on va tous rentrer chez nous avec 250 gros billets sur mon compte en banque. Ah ouais, me voici. Toi, Big Ed, je parie que tu tiendras pas 20 minutes de plus. Yo, 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 yo! Je vous ai bluffé sur l'état de mon cœur. Juste pour vous faire peur. Yo, 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 alors chie pas dans ton froc, vieux tricheur. J'ai la dalle. On mange quand? Va savoir. Je suis en pleine croissance, ma biche. N'importe quoi. Là, ça devient intéressant. Toutes ces photos sont vraiment horribles. Tu veux dire magnifiques? Elles montrent qu'on n'est que de la barbaque. Et c'est pas ce qu'on est? Ce sera génial sur mon site. C'est intéressant. Je capte, j'ai du réseau. Ça cadre pas tellement avec ce cliché de maison hantée abandonnée, non? Je l'ai expliqué, c'est pour faire sa pub. Tu crois? Ouais. N'est-il pas plein de surprises? Bien! Bonjour, mes merveilleux petits martyrs et mes petits cochons d'Inde. Allez, je déclare notre jeu de massacre officiellement ouvert. Cependant, avant que nous commencions, je veux un petit quelque chose pour me souvenir de vous. Ou, devrais-je dire, pour identifier vos cadavres. Vous remarquerez que dans un coin de chacune des salles se trouve une lumière rouge. Ce sont mes petits cochons. Des caméras qui sont là pour filmer l'instant délicieux que vous vivrez tous lors de votre trépas. Je diffuserai ces charmantes vidéos à l'ensemble de vos fans, à l'ensemble de tous ceux qui vous suivent, dès que votre aventure se sera achevée. Ainsi, votre descente dans cette folie infernale sera-t-elle partagée aux quatre coins du monde? Je souhaiterais que vous tous partagiez l'expérience sur les réseaux sociaux avec tous vos petits parasites, afin que le monde puisse dire... Je vous l'avais dit, les gars, vous voyez? Qui de vous tous... Ouais, ouais, on a compris, tu veux pas te taire maintenant. ...au Circus Kane.
et admirez vos rôles, mes disciples de plaisir et de douleur. Si vous avez trop peur pour supporter tant d'horreurs, il vous suffira d'implorer ma pitié avec cette rengaine. Balthazar Kane, c'est encore toi qui mène. Alors, vous serez libre de partir. Le Big Ed, jamais il n'abandonne la partie. Si vous quittez la partie, vous rentrerez chez vous, mes bredouilles. En revanche, si vous tenez bon jusqu'au bout, vous repartirez plus riche de $250,000. Mais moi, je doute fort que vous parveniez jusqu'au bout du voyage. Et je suis tout à fait confiant de ce que j'ai en boutique pour vous. Ce manoir est dans ma famille depuis des générations. Et il renferme la vengeance séculaire de ses défunts. Tout cela est branché de haut en bas à des caméras, de sorte que vous ne serez jamais, jamais vraiment seul. Mais lorsque vous voyagerez à travers les ombres égarées de ma demeure, vous risquerez peut-être de croiser mes petits camarades par-ci, par-là. Alors, que le courage soit votre muse, mais explorez à vos risques et périls, car je ne vous promets rien de moins que la nuit la plus terrifiante de toute votre misérable petite existence. Libérez vos monstres intérieurs et que l'obscurité soit votre guide. Thelma, je crois qu'il est temps de chercher des indices. Moi ? On a le droit à un Scooby-Squee si on trouve un indice ? Doubidou ! Imbécile. Regardez, la porte s'est ouverte. C'est dingue, on dirait une chambre magique. N'importe quel crétin l'aurait deviné. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi faire. Mais putain! Allez, ouvre la porte! C'est verrouillé. On peut pas l'ouvrir. Faut qu'on entre là-dedans. Oh merde! Non, 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 ouvrez la porte! Putain, les mecs, ouvrez cette porte! Je suis pas inquiet. Mais toi, fais quelque chose, il a pas l'air d'être. Hé! Hey, ouvrez cette putain de porte! Ouvrez cette putain de porte! C'est encore! Putain, non, non, non! Faut qu'on entre là-dedans! Putain, merde, ouvrez! Laisse-moi faire. Et voilà. Merci, tu me l'as fatigué. Eh, vas-y. C'est bon, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, venez. Non, non, oh, merde. Oh, non, c'est... Quoi? Hé, hey, les gars! C'est Jake, qu'est-ce qu'il veut? Vous avez vu ça? Ah, c'est un gag, les gars, c'est rien. Ça, c'est qui? Vous voyez? C'est rien. Lui, en tout cas, ça le fait pas rire. Arrêtez! C'est pas drôle! Arrêtez, laissez-moi souffrir! Au secours, aidez-moi! J'ai souffert! Où il est passé? Oh, il est bon. Je devrais l'aider, vous pensez pas? Oh. Une vraie tronçonneuse? Non. Oh la vache. Non, c'est une vraie tronçonneuse. Putain! Il y a plus vraiment! Il y a plus vraiment!
Jake! Oh. C'est pas possible! Allez, faut se tirer d'ici. Relax. Non, ça craint, là. J'appelle la police. Non, soyons pas ridicules. Le clown a tué Jake sous nos yeux, je veux pas être la prochaine victime. Pose ce téléphone tout de suite. Écoutez-moi, écoutez. Jake, on vient à peine de le rencontrer. Et il a pas arrêté de parler, de publier dans les réseaux sociaux. Vous oubliez ça? Ça, là, c'est comment faire peur aux gens niveau 1. D'accord? Et à chaque fois, Kane doit concevoir un plan. Hein? Alors, il fait quoi? Il dit à Jake de sympathiser avec nous un moment, d'accord? Et puis, la seconde suivante, il est où? Et il le fait entrer dans la salle, il nous masque la vue pour qu'on voit rien pendant qu'il prépare le gag. Je déteste être d'accord avec n'importe qui dans cette chambre, mais là, je dois reconnaître que t'as entièrement raison. Ouais, top là, le gros. J'ai raté aucun des spectacles de Ken dans les années 80, et j'ai vu celui où il désignait au hasard un des membres du public et lui offrait 10 000 dollars s'il traversait la piste sur une corde. Et au moment où le mec se trouvait à mi-chemin, Ken secouait la corde. Et le gars, il tombait, il venait directement s'empaler sur un piquet. Fantastique. Par contre, j'ai dû voir ce spectacle une dizaine de fois, et à chaque fois, il se passait la même chose. C'était toujours le même membre du public, c'était toujours la même chute et toujours le même piquet. Et c'est comme la fois où il y a eu l'incendie il y a 20 ans. Vous savez, brûlé à mort, on croyait que c'était encore une de ces blagues flippantes. J'arrive même pas à croire que vous n'avez pas vu ce tour 1 million de fois. Réfléchissez un peu. Si on réfléchit, il est évident que ce Jake, c'est encore un acolyte de Kane. Ouais. Vous avez raison, je pense. C'est vrai qu'on est dans une maison hantée. Par principe, on est censé avoir peur. Jetons un coup d'œil dans la chambre suivante. Tout va bien, mec. Bien tenté, le clown maléfique. Je vous ai peut-être fait gagner 250 000 dollars. Les deux portes sont verrouillées. On va où maintenant? Il y a peut-être un message caché dans la vidéo, vous croyez pas? Mais ici, je vois pas de vidéo. Lui, là, il a filmé. Lui, là, il a même un nom. Oui, c'est Marky Mark. Ça, mec, c'est un compliment. Il a été la voix de toute une génération. Donc, on peut voir la vidéo? C'est doublé. Quoi? Ça veut dire quoi, c'est doublé? C'est du doublage, c'est la même voix, mais sur un ton différent qui reproduit indéfiniment une pub de Ken des années 90. Comment tu peux savoir ça, toi? Mec, je passais et repassais ces pubs-là dans ma boutique, au paradis du collecteur sur la 3e et Main. Tout est différent, excepté la dernière réplique. La dernière réplique est la même dans l'ancienne pub et dans la nouvelle. Que l'obscurité soit votre guide. Je crois que c'est un indice. De quoi tu parles? Je vais te dire de quoi je parle. Je n'ai pas la moindre idée de quoi je parle. T'es un génie. De la lumière noire. Les gars, regardez. Ok. Là, y'a rien. J'ai un truc. Y'a quelque chose dedans? Je regarde. Mesdames et messieurs, nous avons gagné une clé. Je te la prends. Merci. C'est bon, les amis. On se casse d'ici. C'était facile. Ouais, parce que toi, t'as rien fait. Oh. Oh. Wow. Oh, ce schlang. Merde, c'est fermé à clé. On n'a qu'à chercher d'autres flèches. On dirait que c'est un vrai. Et jusqu'à l'odeur. Vous pensez pas que... Ah, elle a remué. Elle essaye de dire quelque chose. Mes petits cochons d'Inde, vous vous en sortez à merveille. Vous...
vous entrer en enfer comme nul autre pareil. Il faut trouver la clé qui me rendra ma liberté. Vous êtes mes petites pommes d'amour. Pour toujours. C'est très facile. On n'a plus qu'à trouver une clé. C'est une petite pièce, on va vite trouver. Jusqu'ici, j'ai rien trouvé. Oh. Je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le petit ours et les pommes. Mes petites pommes d'amour. Quelqu'un aurait un couteau? Tiens, j'en ai toujours un sur moi. Qui aurait cru que Marky Mark était aussi Boy Scout? Ça, c'est parce que je suis malin, Big Ed. Méchamment malin. Dis bonjour à ta mère de ma part. Il y a un truc là-dedans. Faites coucou à ma petite clé. Quelqu'un veut-il l'essayer? C'est la clé de mon cœur. Ne la cassez pas. Je me doute bien que t'as une petite clé, Big Ed. Tu es très drôle. Ça marche pas. Comment ça, ça marche pas? Elle est trop petite, ça fonctionne pas. Elle a littéralement dit ça. J'ai jamais eu ce genre de problème. Mais on cherche à résoudre des énigmes ici. Vous savez, pour une soi-disant maison hantée, il y a plus d'énigmes ici que de choses effrayantes. Attends, fais voir cette clé. C'est une clé pour ouvrir un cadenas. Comment tu sais ça, toi? J'ai volé pas mal de trucs, c'est pour ça que je dois du fric à des gens et je suis là. Et voilà. Et donc, Einstein? Bon. Ok, il se passe rien. Oh. Oh. C'est pas réel, c'est pas... Oh non. Oh ouais. Oh non. Ça schlingue. Ok. Il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à... Ah. Oh, c'est juste un haut-parleur. Wow. Y a rien, y a pas de clé, rien du tout. C'est dans son œil. C'est trop dégueulasse. Quelqu'un veut vérifier cette hypothèse? Aidez-moi, s'il vous plaît. Qui veut bien m'aider? Non, pas moi. Non, sérieux, y a personne? Désolé, je suis allergique au lactose. Non. Ça va, je vais le faire. Oh. Allons-y. Je savais que tu me plaisais. C'est magnifique. C'est jackpot. C'est notre clé. C'est une clé. Oh, cette clé. C'est gluant. On bouge, allez, on se casse d'ici. Cette pièce me fait flipper. Oh, c'est pas vrai. Ce qui nous attendait était encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. C'était le fin fond de l'enfer et nous, on s'y précipitait sans hésiter. Et on gagne un démon. Oh mon Dieu. Pas cool du tout. Et deux chambres. Plus d'obstacles pour mettre du piment. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une appli pour ça? Pas la moindre importance. Tu crois que ça nous fait rire? Je te demande parce que c'est naze. Ça, c'est envoyé. Hé hey. Je te connais, toi? Ah! T'étais dans Nuit de Terreur avec moi. Et pour ça aussi, t'as auditionné? C'est un distributeur de billets, alors on n'a qu'à prendre un billet. Voilà une excellente idée. Salut. 7 billets, s'il vous plaît. De
J'ai un 1. 2. J'ai un 2, moi aussi. J'ai un 1. Donc, l'idée, c'est d'aller à la porte correspondant à notre carte? Ouais, ça aurait du sens. Attends, bro, je pourrais échanger avec toi. Tu vois, je me sentirais mieux dans ce groupe et... On est bien comme ça, tu pourrais peut-être aider grand-père? Parce que franchement, j'aimerais mieux... Elle a dit non. Ah, s'il te plaît, aide-moi, Obi-Wan, t'es notre seul espoir, allez. Oh là là, c'est quoi ces références? Oh mon Dieu, vous, mes amis, vous vivez dans des cavernes. Regardez ces photos. Regardez les clowns. En ordre décroissant. Je crois qu'on devrait ouvrir chaque porte en même temps. À quoi tu vois ça? 3, 2, 1. On ouvre à 1. Et en même temps. Main sur la poignée, je suis prête. 3, 2, 1. Oh, putain de merde. La vache, fait chaud là-dedans. C'est peut-être parce que t'es là. Elle et moi. Ça a l'air dangereux. Quoi? Chier, on est censé faire quoi ici maintenant? Regardez. Faut peut-être suivre les flèches jaunes. Je suppose. Ok, il y a des souches d'arbres. On fait quoi avec ça? Je sais pas, j'imagine qu'on les enjambe. C'est complètement con ce que tu dis, on n'a qu'à juste les contourner. Ah! Oh putain, putain! Ça va, Ed? On peut pas les contourner, le sol est chauffé à mort. Putain. Bon, allez, c'est parti. Bon, d'accord, je passe en premier. Tu veux y aller? Après vous, ma chère. Ok. C'est quoi ce bruit? Oh, putain! Qu'est-ce qui se passe? Oh, la vache! Qu'est-ce qui se passe? Cette saloperie là m'a taillé le bras! Ce truc est hyper dangereux! Non, je vous assure, je déconne pas! Ce truc est réel! Je dirais que 250 000 dollars valent largement le risque. Ouais, t'as raison. Je vais le chronométrer. Oh putain! Fais gaffe! Ça a l'air super coupant. Ces barbelés sont coupants, attention. Il faut ramper. Ouais, c'est bien. Faut quand même être tordu pour faire ça aux gens. Sois prudente! Vas-y. Une seconde.
Attends. Passe-moi ton blouson. Allez. Accroche-toi à ça. Et tu te laisses glisser comme un pingouin. Quoi ? Garde la tête baissée, ok ? Je vais te tirer avec le blouson et tu glisses par en dessous. 1, 2, 3. Arrête, s'il te plaît, arrête ! Oh non, ça va pas ! Je suis accroché ! Tu peux reculer ? Non, je peux pas bouger, bordel ! Tracy, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? On tire. Non, quoi ? Quoi ? On le tire vers nous. Non, 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 non. C'est bon, Billy, t'en mourras pas, c'est qu'une chemise déchirée. C'est pas ma chemise, c'est ma chair, qu'est-ce que tu racontes ? S'il te plaît, fais pas ta chuchote. Je t'emmerde ! T'es sûr de toi ? T'enlèves un sparadrap lentement ou d'un coup sec ? D'un coup sec ? Moi aussi. Ah ah, nom de Dieu ! Maman. Oh. Et voilà, mon gros. Ah, salopard, t'as failli me tuer ! Hey, arrête, arrête, t'es vivant, non ? Plus de peur que de mal. On passe à autre chose, d'accord ? T'es sérieuse ? Calme-toi, ok ? C'est tout. Quand j'ai mes règles, c'est plus arrosé que ça. Ça va. On se casse d'ici, d'accord ? Mais toi, tu me touches plus, tu m'entends ? Et si on essayait déjà de sortir vivant de cette galère ? Allez, les gars. Ça va ? Non ! C'est verrouillé. Il n'y a aucune sortie. Ici. Non, d'accord. Cherche un maillet. Je vois rien. Je vois rien du tout. Il n'y a que des ours en peluche. Et si on... Et si on demandait un indice ou je sais pas... Je vois rien du tout. Là. Ken ! Donne-nous un indice ! Regardez! C'est verrouillé. C'est une boîte à surprise. Faut la boîte à musique. Des petites boîtes, là! Des boîtes à musique! Tournez les manivelles! Ça y est, j'entends un truc! N'arrêtez pas! Y a un truc qui se passe! Y'a rien. On dirait la maison de ma grand-mère. Je vois que t'as hérité de son goût exquis. Toi, ta gueule. Bon, arrêtez, ça suffit. Vous pourriez pas laisser vos différents de côté, qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Je sais pas, moi, regardez partout, bougez-vous le cul, j'en sais rien, mais faites quelque chose. Regardez ici. Ça semble évident, non ? Verrouillé. Encore une nouvelle clé à trouver. Ah ouais, génial. Tout ça n'est pas merveilleux? Elle est forcément là. On se sépare en petits groupes. Je commence par cette pile. Je prends cette pile. J'ai toujours eu horreur des clowns. Je connais peu de gens qui les aiment. Vous avez vu ça ?
Vu quoi? Le clown a remué les yeux. Quoi? Quoi? Il perd son sang. Il m'a mordu, il m'a mordu, il m'a arraché le doigt. Je veux rentrer chez moi. J'ai pas signé pour ça. 250 000 dollars, ça justifie pas tout ça. Ken, laisse-nous sortir, on arrête. Les amis, je sais que c'est n'importe quoi, mais je crois que je vais rester. Quoi? Hein? Quoi? T'es une grande malade. Regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a coupé le doigt. Tu veux perdre tous tes doigts? Non, bien sûr que non, mais j'aime mieux perdre un doigt que perdre mon petit frère. Ils me le prendront si je leur apporte pas de l'argent. Alors aide-nous à trouver la clé. Il faut une clé pour sortir de cette chambre. Ça y est, je l'ai trouvée. J'ai trouvé la clé. Donne, donne. Tiens. Il doit se passer un truc, non? Il se passe rien. Je veux sortir de cette salle. Je veux retourner dans mon sous-sol, moi. Comment ça se fait qu'il se passe rien? Je sais pas. Oh mon Dieu! Ah. Ça fonctionne pas, allez, putain, allez! Oh. Merde! Laissez-moi sortir! Allez, allez! Oh. Laissez-moi sortir! La phrase, c'est quoi? Ken l'a dit dans la vidéo, la rengaine qu'on doit dire si on veut partir d'ici. C'était... Balthazar Ken. Balthazar Ken! Balthazar Ken! Quoi? Balthazar Ken, c'est encore toi qui mène! Balthazar Ken, c'est encore toi qui mène! Balthazar Ken, c'est encore toi qui mène! C'est encore toi qui... Ah! Billy! 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 Billy, ça va? Billy! 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 Non, Billy! Dis-moi que ça va! Oh mon Dieu! Billy! S'il peut le faire, je peux le faire. Roxy, non! Roxy, attends, non! Roxy, reviens, non! Roxy, arrête! Roxy, ne bouge plus, c'est pire si tu bouges! Non, Roxy, stop! Putain! Reste tranquille, reste tranquille! Arrête, ne bouge plus! Merde! Roxy, arrête! Arrête! Il faut que t'arrêtes de bouger! Je dois sortir de là! Je t'en supplie, Roxy, ne bouge plus, arrête! Calme-toi, Roxy! Roxy, arrête! Roxy, arrête, merde! Non, je dois sortir de là! Roxy, non! Roxy, s'il te plaît, arrête! Roxy, non! Roxy, arrête! Reviens, je t'en supplie! Non, non! Roxy, reviens! Il faut que je la sorte de là! Roxy! Roxy! Tracy, Tracy, Tracy! Laisse-moi! Non! Allez, viens, viens, c'est trop tard, c'est fini. C'est fini. Vous y autorise, Ken. Mais vous, Monsieur Valentine, c'est vous qui m'y autorisez. Maintenant, je vous prierai d'aller voir dehors. Je vais m'en aller. Je vais sortir quand j'aurai eu ce qui me revient. Ce qui vous revient, Monsieur Valentine? La prison? À présent, je vous demande de sortir d'ici poliment. Alors sortez avant que j'arrive au bout de ma patience. Ce chapiteau est à moi, vieux débris, et je partirai pas sans lui. Vous savez, Monsieur Valentine, vous, l'homme fort de mon spectacle, vous n'êtes finalement qu'un homme faible et tout à fait pathétique. Alors maintenant, vous allez quitter ma caravane. Et je vous annonce aussi que vous êtes viré. Non!
faut se tirer d'ici, il faut faire quelque chose. Il faut sortir d'ici. Allô? Les urgences, parlez, je vous écoute. J'ai besoin d'une ambulance tout de suite. Quelle adresse? Je sais pas où je suis. Nous pouvons vous localiser, restez en ligne. D'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont essayer de nous localiser. Nous vous avons trouvé. Je vous envoie une ambulance immédiatement. Ouais, attendez. Elle sera là dans 2 heures. Quoi? C'est une situation d'urgence, quelqu'un est mort. Monsieur, c'est pas possible, on va pas attendre 2 heures. On peut pas arriver plus vite là où vous êtes. Vous êtes très loin du premier poste de secours. Et s'il vous plaît, envoyez aussi la police. Je vous envoie aussi une patrouille. Merde! Quoi? Ils vont mettre 2 heures avant d'arriver jusqu'à nous. On trouve Ken, on trouve tous les autres, on leur dit ce qui s'est passé. Ken, il en a rien à foutre, t'as pas encore remarqué? Dis pas de conneries, une personne est morte. Ça va au-delà des limites d'un simple jeu. On s'en va. On fait quoi? On l'emporte? Il est mort, Scott. On peut plus rien faire pour lui. On doit trouver Ken et tous les autres et leur dire ce qui s'est passé. On reviendra chercher plus tard. Et on oublie l'argent? Le fric, on s'en branle. On rentre chez nous, t'as compris? Allez, c'est bon, on y va. À toi maintenant, grouille! Fonce! Tiens, prends ma main! Allez, faut bouger, prends ma main! Allez, viens, mais donne ta main! Pas, allez, vas-y! Tu peux le faire! Tu peux le faire! Donne-moi ta main, vas-y, carré, grouille! Encore un! Allez! Y a pas de pause! J'y arrive pas, que... Vas-y, saute! Viens, dépêche-toi! À mon signal, tu fonces! Fonce! Saute! Saute, je te tiens! Ta main! Ils ont tué Big Ed. Et tous les autres aussi. C'est une blague, c'est pas sérieux. Pas sérieux? On est très sérieux, ils sont tous vraiment morts! Roxy est morte clouée sur les barbelés et Billy d'un coup de hache en plein dos. Ouais, ben moi, j'ai appelé une ambulance. Mais elle sera pas ici avant au moins 2 heures. 2 heures? Putain, en attendant, on fait quoi, nous, ici? On fait quoi? On va tous mourir. On ne va pas mourir. Non, tout va s'arranger parce qu'on reste ensemble, d'accord? Maintenant, je suis certaine que je vais pas mourir ici. Il faut juste qu'on retourne là-bas d'où on vient, là où la partie a commencé. Et on finira par trouver la sortie, d'accord? On se casse! D'accord. Go! Oh. Et merde. Ouvrez-nous! Non. Attendez, je vais la crocheter. Tu vas quoi? Et avec quoi tu vas le faire? Avec mon couteau suisse. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas beau à voir. Ça sert à rien. Ce qui servirait à quelque chose, c'est de venir nous aider. Allez, viens! Hé! Hey, c'était là, ça, avant? Non. Même pas en rêve, j'entre pas là-dedans. Les gars? Les gars? En tout cas, moi, j'entre! C'est vite, foncez! Go, go, go! Et là, on a droit à quoi? Un abattoir? Afin de réellement triompher, il reste un autre voyage à faire. Un voyage au bout de l'enfer. Et traverser pour ressortir indemne de l'autre côté.
Va te faire foutre. Allez, avancez. Salopard de Ken. Oh la vache, faut sortir d'ici. Ça nous mènera nulle part, les gars. Greg, il faut qu'on continue à avancer. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, c'est pas bon du tout. Je crois qu'il veut nous aider à voir. Qui peut prendre ses baguettes? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'était que de l'eau. Ça va. Qui maintenant, celui-là? Ken. Balthazar Kane, en chair et en os. Enfin, plus en os qu'en chair. Et maintenant, on rentre chez nous, le taré. En son temps, mon petit. En son temps. Quel dommage que vous deux. Il fait tout ce chemin. Vous alliez atteindre le but. Pourquoi? Pourquoi vous faites tout ça? Ce magnifique théâtre de douleur et de sang. Tracy.
Tracy, Tracy. Montez. Je suis comme un chasseur qui dévore la chair de sa proie. Je dévore le troupeau des humains. Un, deux, trois. De mes crocs et mes griffes. Vous êtes cinglé. Cinglé dans la psyché. Attention, c'est très coupant. Maintenant, suis-je vraiment cinglé? Ou bien est-ce vous qui êtes trop faible, trop pathétique et terrorisé pour regarder l'abîme? Regardez bien en face toutes les créatures monstrueuses qui règnent sur la terre et au ciel et vous attendent dans le trou noir de l'éternité. Sachez que je n'attends pas ce que vous, les moutons, puissiez comprendre les lions, ni qu'une fourmi puisse comprendre une vision gigantesque sur le monde. Vous n'aviez pas le droit de tuer ces gens. Oui. Ils ont connu une mort horrible et douloureuse. Un magnifique, un sublime trépas. Un baptême de sang pour le grand spectacle des horreurs qui nous attend tous. Tu vois, petit, la mort, c'est le seul véritable et unique Dieu. Et moi, je suis son ange, l'ange en guenille, qui répand sa parole. Sa parole glaciale et tranchante sur une âme à la fois. Quoi? N'ayez crainte, votre mort, la mort que vous connaîtrez, aura sa place dans l'histoire. Mais votre douleur, votre souffrance et votre sacrifice vous donneront l'immortalité. À mes côtés, vous serez une petite partie de mon héritage de l'horreur, mon héritage... Le grand héritage de l'horreur de Balthazar Kane. Non! Je ne veux pas faire partie de votre héritage. Si vous ne me laissez pas sortir d'ici tout de suite, je vous promets de vous vider de votre sang comme un vulgaire poisson. Mais vas-y, petit, vas-y! Vide-moi donc comme un poisson. Et que le spectacle continue pour la plus grande joie de tous jusqu'au grand final de cette longue aventure. Il ne faudrait surtout pas décevoir vos vulgaires fans de l'horreur, n'est-ce pas? Vide-moi comme un vulgaire poisson. Et à ses talons, lâchez-elle des chiens de chasse. Souhaitons que la famine, le glaive et le feu ardent soient tapis dans l'ombre, prêts à l'action. Mille pardons, chers spectateurs. Il y aura tant de ravages, tant de drames, quand vous aurez lâché les fauves de la guerre. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Cours, Tracy, cours! À l'attaque! Balthazar n'a plus envie de jouer. Et ils ne furent plus que deux. Cochon d'Inde! Où est-ce que vous vous cachez? Ah. 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 Ah.
Ces maudits clowns sont toujours là. Tracy, attends. Je sens leur souffle dans leur poitrail. C'est moi. Il vaut mieux qu'on se sépare. Non, mais t'es cinglé. C'est le seul moyen. Quelle délicate attention de me convier à votre partie de cache-cache. On ne doit pas se séparer. Nous, on est deux. Il est tout seul. Bon, il y a les autres cinglés, mais on peut l'avoir par surprise. Et ensuite, on s'occupe des autres. Fais-moi confiance. Et au final, il n'en resta qu'une. Tracy, ma chère, savais-tu qu'une tête humaine pèse 3,6 kg? Amusez-vous, les enfants! Tracy, ma chère, où vas-tu comme ça? Tu es mon dernier petit cochon d'Inde. La voilà. Ma grande finaliste. Quel tableau parfait pour un grand final. Toi, ma douceur, tu dois être si fière, si honorée. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi à la fin? Mais qu'est-ce que vous voulez de moi à la fin? Non. Cette partie de la pièce a déjà été jouée. Ici, c'est l'acte 4, ça c'était dans l'acte 2. Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. J'ai d'abord joué le monologue du monstre. Et celui qui aime le macabre, n'est-ce pas? Qui, avec politesse, avec beaucoup de politesse, donnait réponse à toutes vos questions, révélait des indices. Et vous autorisait à courir dans toute sa maison. À jouer à cache-cache aussi, ce qui, somme toute, est fort amusant. Mais là, il ne reste qu'un seul et unique joli cobaye. Et c'est toi. Et c'est là qu'on en arrive à, disons, au clou de mon spectacle. La partie osseuse, la partie sanguine. Le cartilage et la viande. Allez, rendons les choses captivantes, voulez-vous? Ajoutons un peu de brillance à notre toute dernière marche funèbre. Tu connais ce proverbe. La vie n'est que souffrance, n'est-ce pas? Eh bien, ceci est un petit jeu qu'il me plaît de nommer la douleur pour la vie. Et comment joue-t-on à ce jeu, mademoiselle? Je vais vous le dire. Voilà donc comment jouer à ce jeu. À vous, grande finaliste, approchez, approchez. Vous êtes notre prochaine candidate de la douleur pour la vie. Dans cette commode, nous avons quoi? Nous avons ici sur le côté un petit bouton magique. Et à quoi sert ce petit bouton magique? Je vais vous dire, mesdames et messieurs, à quoi sert ce petit bouton? Il contient la clé des songes de toutes nos grandes finalistes, la clé de leurs vœux, de leurs désirs, de leurs espoirs. Et que peuvent-ils bien être, mesdames et messieurs? Je vais vous le dire. Alors, ce sont la liberté, la porte d'entrée, la sécurité et une putain de vie très très chiante. N'est-ce donc pas extraordinaire? Et savoir que notre vie pourrait se résumer à
Une seule chose. Et quelle est donc cette chose? C'est de survivre à la douleur. Tu sais que tu es un vilain petit cochon d'Inde. Bravo, grande finaliste, je savais que tu ne me décevrais pas. Ce n'était pas très gentil. Mon petit cochon d'Inde. Tracy, ma grande finaliste, où tu cours comme ça? Nous n'avons pas encore fini. Ceci est notre dénouement. Il faut toujours qu'un spectacle se termine comme il se doit. Tout va bien? Quoi? Ça va, mademoiselle. Quel est votre nom? Tracy. Il faut qu'on se tire d'ici. Appel. On a probablement un 18-7 et un 24.5A. Non, 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 non. Vous comprenez pas. Il est toujours là. Il arrive. Venez avec moi. Non, vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Tracy, mon amour, il faut que ça s'arrête. Plus un geste! Levez les mains et mettez-vous à plat ventre! Plus un geste! Plus un geste! Levez les mains et mettez-vous à plat ventre! J'ai dit plus un geste! Désolé, messieurs, mais les contes de fées ne finissent pas de la sorte! Arrêtez-vous! Ils ne finissent jamais de la sorte! Je ne vais pas vous le répéter! Les mains en l'air, lâchez votre arme! Mettez-vous à plat ventre! Mais mon cher, cet homme en fourre de la colosse, la croupe étroite de l'univers! Et nous autres pygmées trottinons sous ses jambes de géant, écarquillant les yeux pour découvrir alentour quelques tombes sans gloire! Lâchez votre arme! Sans gloire! N'avancez plus! Cet homme a essayé de me tuer. Écoutez, j'ai trouvé une maison truffée de pièges et de cadavres, et je n'ai aucun indice sur la nature du drame. Bien. Je reviens. Cette fille a vécu un enfer. Ouais, c'est certain. Ouais. Regardez ça. Bien, votre histoire tient la route. La vidéo de la maison corrobore votre déposition. Vous êtes libre. Merci. Mademoiselle, je suis désolé. Je comprends. Vous faites votre travail. Oui. Au moins, vous pouvez vous consoler en sachant que ce monstre qui a tenté de vous tuer et a brûlé votre père, Robbie Valentine, il y a de cela tant d'années, eh bien, il a finalement eu ce qu'il méritait. Ce monstre. Bonne nuit, mademoiselle Valentine. Bonne nuit, inspecteur. Supporte la douleur. Pour apprendre la magie authentique, tu dois toujours supporter la douleur. Magie égale sacrifice. C'est presque fini pour nous, ma chérie. Le Valhalla attend ses valeureux guerriers.
verrez vous faire. Vous n'allez pas tarder à sortir. L'art du détournement, c'est être capable d'attirer l'attention du spectateur dans une direction, de manière à la détourner de l'autre direction. Il faut partir avec panache. Et si jamais... si jamais j'étais pas assez forte... Ta récompense sera l'immortalité. Tu es prête? Que le spectacle commence. D'accord. Bienvenue, mes futurs Maccabées, au Circus Quay, où vous allez découvrir les plus stupéfiants spécimens jamais vus dans ce monde. La femme à deux têtes, le garçon chien, la femme sciée en deux et démembrée. Vous verrez des lions dévorer les entrailles de nombreux infidèles. Ici au Circus Quay, plaisir et douleur et plaisir sur notre scène. Et nous autres saltimbanques, nous ferons tout pour que votre joie soit complète. Venez nombreux et admirez ce que vous propose le Circus Quay. Halloween, nourrissez votre peur, votre frayeur, car votre âme assoiffée vous supplie de la mettre à l'épreuve. Revenez donc à la vie dans l'hippodrome de l'horreur, le nouveau Circus Ken. Une expérience unique qui s'inspire d'une légende vivante, une légende macabre. Balthazar Ken a perdu la tête et en a coupé des centaines par amour de la scène. Aujourd'hui, son esprit hante la maison de la mort. Mais vous, aurez-vous la force et le courage de parcourir la vallée de l'ombre? Tendez bien l'oreille et vous sentirez le souffle de Ken. À très bientôt.